Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors, j'ai pas de sujet précis cette fois-ci, si ce n'est pour dire que je suis peut-être dans une espèce d'essoufflement actuellement sur les cosmogonies. Disons qu'il y a quand même une perspective de création pour Cosmogonie 17, ou peut-être que ça va être une autre série, je n'en sais rien. Je parle souvent des cosmogonies comme étant finalement pour ce qu'elles sont, hein, c'est-à-dire des théories sur la formation de l'univers qui donnent place aux histoires, aux religions. Donc on est vraiment en fait dans une interrogation vraiment typiquement spirituelle, pas pour donner une réponse, mais vraiment essayer de s'interroger sur notre place. Est-ce qu'il existe quelque chose au-delà de nous? Voilà, ça c'est vraiment l'interrogation de Cosmogonie. Et finalement j'arrive un peu à une étape. Il me faut trouver des nouveaux ressorts. Le tout dernier virage des Cosmogonies, c'est avec Cosmogonie numéro 12. Où vraiment je me plaçais, j'essayais vraiment de pouvoir nous placer entre l'infiniment grand et l'infiniment petit, pour dire que ben voilà, à un stade, il y a la conscience, il y a nous, on a une réalité physique, on a vraiment, voilà, on est des êtres conscients et conscients de leur existence. Est-ce que sur d'autres plans, il n'y a pas d'autres formes de conscience finalement? Donc ça c'était pour se dire qu'on était peut-être justement à un moment donné qu'une petite cellule dans un organisme beaucoup plus grand, ou en tout cas voilà, qui peut avoir aussi sa propre cohérence. Ça, j'ai envie de l'explorer par d'autres voies que simplement le postulat de l'infiniment grand et de l'infiniment petit. Donc voilà, grosse interrogation. Je comptais un peu là sur quand je parlais du voyage en Chine avec la pensée asiatique, hein, sur le chi, l'énergie, etc. Finalement, pour l'instant, je la vis dans ma chair et beaucoup trop dans ma chair actuellement pour pouvoir avoir du recul et pouvoir ressortir ça actuellement. Dans tous les cas, il y a vraiment plein de pistes qui s'offre, donc ça va être un moment de respiration, de pause, bref, procrastiner utilement. Ça fait partie d'une étape de démarche artistique normale, hein, je dirais. C'est voilà. J'ai profité de cette vidéo pour montrer les différentes œuvres de la série Cosmogonie. Si vous désirez découvrir vraiment la démarche artistique derrière chaque œuvre, je vous invite à les découvrir sur christophehoulier.art. Sur ce site, il y a vraiment expliqué chaque œuvre, en fait, dans quel contexte elles ont été créées, quelle est vraiment la pratique plastique qui m'a amené à les produire, mais aussi, du coup, toute la réflexion et tout le cheminement au fur et à mesure des œuvres. Donc voilà, si vous souhaitez vraiment en savoir plus, c'est au-delà des œuvres, c'est de pouvoir vraiment lire les textes. Et si vous avez du coup toute réaction, toute question, je vous invite à m'écrire soit sur ma page Facebook, soit ici en commentaire de cette vidéo dans la chaîne YouTube. Je serai ravi de vous répondre. Voilà, je vous dis à bientôt.